showbiz to go there. Enya mdena le me gbere gbero. Enya mdena le me gbere gbero. Ouais, c'est comme ça partout. Hein. C'est comme ça partout. C'est pas seulement le Togo. Mais cette fois-ci, je viens aborder un sujet. Bon, j'étais moi-même surpris hein, par voilà, par le sujet même, parce que ça concerne Collis et puis Gino. Voilà, tu vas te dire Gino, c'est qui? Gino AK 45. Voilà, tu te rappelles, les anciens vont se rappeler de Gino AK 45. En tout cas, il vient de sortir un projet titré Akpena God Remix avec Paki Tienzou. Il vient de sortir un projet. Hein. Projet à peine 2 jours, 3 jours d'écoute, mais il y a déjà polémique sur le projet. Oui, parce qu'il y a une vidéo de la part de Collis qui est sorti, il a fait une vidéo qu'il a postée, qui fait le tour des plateformes, des réseaux sociaux déjà. Ce qui n'est pas vraiment dans l'habitude de Collis, le connaissant, le gars calme, rangé dans son coin, tout ce qui n'est pas son habitude. Mais il est sorti faire une vidéo de plusieurs minutes. Chose surprenante. Mais c'est quoi la liaison Gino et AK45, son projet et puis Collis? Voilà, c'est quoi le rapport? Si Gino sort un projet et puis qu'on lui fait une vidéo. Dans cet épisode de l'Hello Talk, je vais vous donner les détails. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Voilà. Jules et Young Zoc. Regarde. Ma coach, il m'a mon ami. On est Todia. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'Hello, c'est la vie. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, allez-y, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Voilà, Collis a fait une vidéo de plusieurs minutes. Mesdames et messieurs, si vous connaissez, ceux qui connaissent bien Collis savent que c'est pas un gars de ce genre sorti faire des vidéos et tout ça là. C'est plutôt un gars rangé qui est dans son coin, voilà, qui gère ses mouvements et tout. Mais si Collis sort pour faire une vidéo de plusieurs minutes pour adresser un sujet, c'est que c'est arrivé à un niveau. C'est arrivé à un niveau que le gars sorte pour faire une vidéo, pour dénoncer quelque chose, bien pour, voilà, parler de quelque chose. Mais cette fois-ci, il a parlé de quoi? Vous êtes bien au courant que, voilà, Collis, Gino, voilà, ce sont des gars, ce sont des éléments, des acteurs, des artistes. Voilà, Collis, les gars, mais ça fait un moment jusqu'à un point où, voilà, Gino, il a un peu disparu à un certain moment. Mais tout récemment, il a sorti un tout nouveau projet, Akpena God, le remix avec Paki Tienzou. Et au même moment, Collis qui sort une vidéo concernant ce projet-là. Ah oui, ne sois pas surpris concernant ce même projet. Parce que, voilà, dans la vidéo, Collis a dit des choses. Collis, voilà, tiens, je ne veux pas trop parler. Je vous laisse regarder tout d'abord la vidéo de Collis. Et puis, on revient pour les détails. Bon, je n'ai pas l'habitude de me voir sur Internet d'avoir une vidéo. Il y a des façons souvent. Mais, qui dit la réagir par rapport à ça. MDK Jaws, c'est comme ça. Bon. Et Soraya. Son Leto, un son de Gino, et puis d'un jeune talent que top, tout ça. Donc, il s'agit du morceau AP, un truc comme ça, ouais. Alors que Ben a un problème qu'il est dans l'anime encore. Il est dit, mais il a une vidéo, la loi. Déjà, pour Gino, je fais pas cette vidéo pour te manquer de respect, hein, ou bien manquer de respect à votre projet et tout ça, ni aux jeunes. Mais je tenais à me dire Nyaro Meneko, c'est comme bon. Et ha, c'était sans qu'il m'ait dit, je pense que c'était Gino featuring Collis. Mais bientôt, il y a les qui nous sont passés dans les yamdor, la média souvent. Bon, surtout, Niko, Gino, on est mis souvent. Il y en a, voilà, il y a eu la dit, ouais, au son avec toi. Donc, à Niko, on a instrumental. Souvent, tiens, il a dit instrumental et il a dit refrain. Alors, soit Speezy dans le temps, Speezy ou Mike Flames, c'est comme bon, ni coup, il y a des gens qui se passent dans l'autre. Donc, on a mis au son, hein. Après, à l'époque, ce qui est sur Amour, dans le son, on dit ça. Mais qu'on va se dire, c'est vrai que Gorola qui est tout fin, tout fin. Il y a un problème avec lui. Mais son, c'est pas comme si son niveau de 14. Et même tout un parti qui m'a dit, c'est comme année, des années après, on va pas dire la 3 ans, titre, moindre des choses à Jean Collis. Alors, message du chez Gorola, quoi. Petit frère, petit Collis, petit. C'est comme un. Et puis, on vit Collis. C'est comme un. Oui, chez moi. Mais bon, à ma grande surprise, vraiment, on a mis les poules. Il y a quoi? Il y a 2 semaines de cela, ou bien une semaine par là.
que on voit TikTok des nombres tonnes mais voilà que il y avait le morceau parce que mais abe c'est non la fille pas que il pense que c'est mon son non mb oui effectivement donc du coup quand on parle non quand on parle dit nous les vidéos mais je me suis dit ils sont là ni ils sont officiels de la tour que là des tours d'arro leur clip et tout ça dis nous là aussi non dis nous là au moins leur message dit là soit prévenu en ce moment averti moi au moins ça mais ma grande surprise à non mais comme l'agneau bon quand on parle non c'est bien les bien moi c'est manque de respect c'est comme parce que souvent les artistes sont tombés sur plein d'abeilles on les respecte mieux mais bien toi on a tendance à se manquer de respect les bientôt bien en ordre c'est comme mais t'as tiré classe une mois c'est comme mais les novios on les respecte on les sort d'un type à même avoir couvre kaflan même avoir couvre et bien bon il m'a pas fait il m'a pas couvre sortant c'est comme il m'a pas nani voking boy les gars comme il m'a pas nani voking boy il m'a pas connu ça qui c'est un dollar c'est comme tant que même blague mais trop sort evni sort le roi d'opéré moins des choses à Nikoua, mais qui est similaire à l'ange du nom. Tchale, sans son, avec. Eh bien, Nikoumi, on a un contact, on a aussi Instagram. Il y a rien à me soi, on m'a un message, non, Instagram, on au DM, non, c'est comme ça. Nous, pas message, ni on m'a ignoré. On n'a pas message, on m'a ignoré. Donc, à la télé, simple, quoi. Simple, peace, c'est comme ça. Problème de comment on a. Mais, nous, on a, Kaflan, on a un coup d'équipe, possibilité, les gars, petit à provoquer. Au début, j'avais plus le son. Mais qu'elle veut fouiller, elle dit du mieux dire entre poisson, à côté, ma voix, tout ça, on commence. J'ai assez d'éléments, comme une petite fille, fille, tiens, dans 24 heures, son va l'en supprimer. Mais YouTube dit 24 heures, c'est comme ça. Mais c'est pas le but. Donc, pas aux zanga, mise en budget, mise en loga, c'est pas, ça ne sert à rien, c'est comme ça. Même si j'ai raison, même si j'aurais raison. Mais moi, moi, les droits animés, absolus, ben, maté, on n'en est pas maté, réclamer, n'aime réclamer, une que YouTube l'a bloqué, c'est tout, simple, c'est comme ça. Mais n'aime d'ailleurs, non, parce que, mais entre nous, on a même dit que nous avons changé, nous avons évolué. Donc, Mila a servi d'exemple. Et nous avons un exemple. Il y a un exemple qui a été dit que nous avons changé, mais nous avons bloqué. Mais nous avons changé. Parce que nous avons agi dans nous. C'est comme ça. Mais nous avons changé. Nous avons changé. YouTube dit que nous avons changé. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu un truc de petit mot, petit jet. Rien du tout. Comme si nous avons créé. C'est pas bien, Charlie. C'est vrai que, en quelque sorte, si le jeune il a refait exactement ce que j'avais fait, ça veut dire que le truc il a été bien fait. Et en quelque sorte, c'est comme si hommage les bénis, ça veut dire qu'il respecte ce que je fais. Mais prévenir, ça qui écoutait n'est pas pourquoi. Ok, prévenir, jazz. Tu as les mises en mieux avec la sortie. C'est comme un problème en agneau. Toi, faut aller qui vont se passer. C'est comme si un petit et petit et pas ma sort. N'y a quoi, mais les cœurs sont par exemple. Je prends l'exemple de moi et puis Shingima, quoi. Soit même si les nénitaires ont son mental quoi toi ma soit quoi ma trop botovi voulait trop poser pas la trop poser Shindy m'avait parti à pépépé sans que les magouins avec bena ni magouins avec bena Shindy c'est pas bien c'est comme un manque de respect hein au moins on voit dans les nous juridiquement parlant tu as tort à 100% c'est comme un donc à dit bien on est servi à exemple non mais les lagbe même j'en ai pas beaucoup hein il y a beaucoup de gens c'est les qui ne blâment là mais on va le changer même il y a seulement moi mais là notifié mais là blâment mais les mais là et geste de l'eau on a quoi mais ça n'a pas été fait je pense que ça manque de respect les bientôt me dit mais ils changé à bientôt ils ont boumé en heure de base second bientôt ils ont boumé en heure il y a un matin on a un coup de haut donc au temps nowhere les bien même bon moi c'est comme si c'est trop mais bon nous dit souvent pas ce que même artiste au van à studio sans que mon adore quoi non mon souvent à mon van à studio on a encore j'avais dit mon a de A à Z à ce que donne maintenant on l'a dit et là au tube mine d'avoir déballé nous les filles nous le mieux pour les provoler à l'appui ce n'est pas le but c'est comme ça donc du coup nous on est des milanois mais on a mais non mais sort à mes débuts propriétés mais bien intellectuel bien nous sommes les gazins mais là aussi la reconnaissance vichimde et l'on en a mis mais en 2002 on est trois des milanois des milanois c'est rien challenge c'est comme ça donc arrêtons après y en bas et y a ma qui était va DM non mais là t'es réglé en DM ben dis-bé à mes sœurs menacées, par un exemple, secondement, en carrément. Sur ce, bon vent dans mes projets. En car, c'est des gangoulins. Ni mon vidéo, ma soeur manque respect dans mes projets. Et on, j'espère que j'ai fait passer un message et que ça a été clair. Ciao, ciao, ciao. Voilà la vidéo. Et si vous regardez bien et vous avez bien écouté tout ce qu'il a raconté là dans la vidéo, le projet Akpena God, Gino, c'est à lui qu'appartient le projet. Mais d'après ses propos maintenant, on dirait qu'on lui dit que le projet est à eux deux. Parce que c'est lui qui a composé le refrain et tout, il a fait le beat. Et Gino n'était venu poser, n'était venu que poser sa partie et tout. Mais dans ce cas-ci, qu'on lui dit que voilà,
en quelque sorte, le projet leur appartient tous les deux. Que Dino devait, en quelque sorte, ne serait-ce qu'un petit message, lui envoyer ce message-là pour lui dire que voilà, mon frère, je vais sortir ce projet-là qu'on a eu à faire. Mais je veux quand même que tu sois au courant que je vais refaire le projet et puis le sortir. Parce que, quelque part, si qu'on lui dit ça, c'est parce que aussi, d'une part, le projet qui est sorti, Akpena God, c'est copie-collée textuellement. Pour moi, je pense que c'est ça qui énerve Collins. Parce que, quelque part, le fait qu'il compose cette partie-là, le refrain, voilà, quelque part, pour lui, s'il doit utiliser cette même partie, ces mêmes paroles et tout, il devait, je rapporte ce qu'il a dit, hein, voilà, il devait, ne serait-ce qu'un petit message, allez, on veut refaire le son, voilà, voilà, voilà. D'après la vidéo de Collins, c'est ce que je dis, c'est d'après la vidéo de Collins, c'est comme ça, moi, je l'ai compris. Pour Collins, voilà, Dino devait le contacter et tout, 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 tout. Et on a compris aussi une chose, c'est qu'il fait la vidéo pour alerter d'autres personnes. Genre, pour faire savoir à d'autres personnes que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Vous comprenez, non? Que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas pour manquer du respect à Gino, mais juste pour que ça serve de leçon à d'autres personnes que ça ne se fait pas comme ça. D'après lui, qu'on lise, ça doit se faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà un peu, en tout cas, vous-même, vous avez regardé la vidéo. Mais apparemment, quand Collins a posté la vidéo, hein, Gino est venu commenter. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Genre, moi-même, je ne suis pas étonné qu'il soit dans les commentaires en train de répondre à Collins. Il a dit ceci, « Salut bro de longue date. Tu sais très bien que je suis un gars qui ne parle pas et tu veux que je sorte de mon coin pour venir parler. » Tu sais combien j'ai dépensé pour cette collaboration avec toi et que tu n'as jamais été présent sur le clip, pour le clip. La promotion est déjà payée pour tout et tu n'as jamais été présent. Tu ne décrochais plus mes appels champion. Tu oublies vite, bro. Donc, je dois te consulter avant de faire sortir mon projet, bro. Really? God is not sleeping, bro. Voilà, voilà le commentaire qu'a fait Gino. Voilà, sous la vidéo qu'a posté Collins. Collins de revenir dire, tu veux que je parle? Je t'ai bien dit, ce n'était pas pour te manquer de respect. Même si c'est ton son qui a écrit et chanté le refrain. Tu m'as payé pour ça? Ou tous les autres sons qu'on a déjà fait, toi et moi? C'était cool, Fofo. Ah. Cette réponse de Collins veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses du genre, s'il veut se mettre à parler maintenant, il y a tellement de choses. Voilà, moi c'est la déduction du fait de son commentaire. Gino n'a pas du tout apprécié le fait que Collins sorte aujourd'hui faire une vidéo pour dénoncer le fait qu'il n'a pas été informé ou bien contacté, ne serait-ce qu'un petit message pour lui dire que vraiment, lui, Gino va sortir le projet qu'ils ont déjà sorti dans le passé. C'est ce qui énerve Collins. Et Gino aussi, de son côté, dit que voilà, il a plusieurs fois essayé de contacter Collins, mais il ne décrochait pas. Il a dépensé de l'argent pour la promotion, pour le clip et tout, 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 tout. Mais Collins n'a jamais été présent pour qu'il tourne le clip de ce projet-là dans le temps. Donc, pour Gino, Collins n'est pas vraiment la bonne personne. Ou bien, Collins ne devait même pas sortir, faire une vidéo pour dire que voilà, il devait être informé au moins quand lui, Gino, a décidé de refaire le projet avec un autre gars. Mesdames et messieurs, c'est compliqué. Il y a déjà beaucoup de réactions. Il y a déjà beaucoup de réactions sur la toile. Il y a ceux qui traitent Collins de jaloux. Il y a ceux qui donnent raison à Collins. Il y a ceux qui donnent raison à Gino et tout et tout. Vous savez très bien que j'aime toujours ramener les sujets là. J'aime toujours ramener tout ce qui a lien à notre culture, à notre showbiz. Ici, dans cet épisode, voilà, dans des épisodes de l'Hello Talk, pour avoir aussi votre avis sur le sujet. En tout cas, c'est le cas ici encore. Hein, parce que votre avis m'intéresse beaucoup. Moi, mon avis, oubliez mon avis. Votre avis, c'est ce qui m'intéresse plus. Voilà. Est-ce que vous pensez que Collins a raison, hein, de demander à ce que, voilà, qu'il soit respecter un minimum de foi, genre le minimum de respect. Gino lui devait ça
ne serait-ce qu'un message, un texte, rentrer dans son DM, même s'il n'arrive pas, s'il n'a plus son numéro, rentrer dans son DM, lui envoyer un message pour lui dire, tiens, les bros, c'est comme ça, je vais sortir un projet comme ça. Mais comme c'est ton refrain, c'est toi qui as composé tout ça là, je veux faire chanter le même refrain, bien ta partie à un autre artiste. Voilà, je veux juste t'informer. Voilà, vous pensez que Collins a raison de demander à ce que Gino fasse ça avant de sortir le projet? Ou bien vous pensez aussi que Gino ne lui doit rien, c'est son projet et il a le droit de le sortir avec qui il veut, quand il veut? Vos avis m'intéressent. C'est ce que je suis venu vous demander ici dans cet épisode de Lelo Talk, mesdames et messieurs. Hein, dites-moi. Et s'il vous plaît, si je dis vos avis m'intéressent, donnez-moi vos avis dans les commentaires, vos impressions, tout ça là. C'est que vous me dites exactement ce que vous pensez du sujet. Je dis bien du sujet parce que je remarque ces derniers temps que, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, qui n'aiment pas ma personne, mais ils viennent toujours commenter, dire des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet que je ramène. Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment commenter sur le sujet que j'amène là, voilà, commenter dans le respect de tout un chacun. Mais si tu n'aimes pas ce que je fais, si tu n'aimes pas mes vidéos, tu n'aimes pas, ma tête ne te plaît pas là, s'il te plaît, ne commente même pas. Je ne sais même pas pourquoi tu n'aimes pas, mais tu es toujours là à regarder mes contenus. Donc allez, hein, si vous n'aimez pas, ne venez pas, ne regardez pas, ne commentez pas. Mais si ça vous intéresse, mes sujets, si ça vous intéresse, mes contenus, voilà, le sujet en question, laissez vos commentaires. Mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zoc. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut chez vous.